Je suis Virginie Butin, je suis directrice de l'école Montessori bilingue du Saint-Quentin à Peltre. Il y a deux particularités dans notre école, on applique la pédagogie Montessori et on est bilingue anglais. Donc la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie individualisée qui a été développée pour répondre spécifiquement au rythme et aux besoins de l'enfant en mettant à disposition du matériel pédagogique très spécifique et une façon d'évoluer dans la classe, dans l'ambiance, ça s'appelle, qui permet à l'enfant de faire ses propres apprentissages, ses propres découvertes par lui-même. Ce samedi 25 mars, de 10h à 16h, nous organisons les portes ouvertes de l'école. Ça sera l'occasion pour les familles de venir visiter l'école, venir découvrir la pédagogie Montessori. Il y aura une conférence à 14h où je vais présenter qu'est-ce que c'est que la pédagogie Montessori, l'origine, les fondements, les principes de fonctionnement de cette pédagogie. Ça sera l'occasion également de venir rencontrer les parents d'élèves de l'école, pouvoir échanger, avoir des informations sur le fonctionnement de l'école, rencontrer l'équipe, toute l'équipe sera à disposition des visiteurs pour répondre aux questions, et puis faire découvrir la pédagogie, faire découvrir l'école de manière générale et montrer un petit peu qu'est-ce qu'on y fait. Alors là, on a ouvert en septembre 2016 avec une école maternelle, donc avec des enfants âgés de 3 à 6 ans. C'est le principe de la pédagogie Montessori, notamment, c'est d'avoir une classe unique d'âge mélangé. Là, on accueille un petit peu moins de 30 enfants qui sont âgés donc de 2 ans et demi, même à 6 ans. Et l'année prochaine, nous allons ouvrir une seconde classe de maternelle ainsi que l'école primaire avec une classe réservée aux 6-9 ans et ensuite aux 9-12 ans quand les enfants vont grandir au fil des années. On est bientôt complet, il reste seulement quelques places, donc j'imagine que les quelques places disponibles vont être pourvues, enfin en tout cas les demandes de inscriptions vont être déposées lors de cette journée porte ouverte. Donc voilà, pour les retardataires, si toutefois vous souhaitez inscrire votre enfant, il faut se dépêcher parce qu'on est bientôt complet. Pour ceux qui veulent en savoir plus, alors on a le site internet de l'école, www.école-montessori-metz.fr. Donc là, sur le site, vous trouverez toutes les informations sur le fonctionnement de l'école, la charte de l'école notamment, qui décrit vraiment les fondements, les valeurs et le fonctionnement général de l'école. Et puis, bien évidemment, moi je suis à disposition de toutes les personnes qui veulent venir nous rencontrer pour visiter l'école dans l'optique éventuellement d'une inscription de leur enfant. On est aux 2 rue Saint-André à Peltre. Nous sommes dans les locaux du couvent de la Providence. Nous occupons les anciens locaux du lycée. Voilà, donc nous avons le plaisir d'occuper des locaux fabuleux dans un cadre absolument magnifique. Les portes ouvertes, c'est vraiment de 10h à 16h, toute la journée, entrée libre. Il y aura déjà de la restauration sur place, donc possibilité de manger, boire. Il y aura donc à 14h, comme je le disais, une conférence de présentation de la pédagogie Montessori. De 14h à 16h, nous aurons également la librairie d'en face qui viendra avec des ouvrages sur la pédagogie Montessori, sur le développement de l'enfant, sur le bilinguisme également, des livres que nous utilisons en classe. Nous aurons en clôture des portes ouvertes un parent d'élève, Lucas Fanchon, qui est auteur, compositeur, interprète, qui nous fera un petit concert acoustique. Et nous avons le plaisir d'avoir deux chocolatiers, le chocolatier Fabrice Dumay et Bazara Adelme, qui nous offrent deux créations que nous allons mettre en tombola pour tenter de les gagner. Voilà.